Affaire Haji le King. Affaire Haji le King. Des révélations. Vous savez, on a été tous surpris. Après l'affaire de KPC, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ce n'est plus l'affaire de KPC. On ne va pas vous dire les appels qu'on a eu à faire, les bonnes personnes qu'on a eu à contacter. Mais vous vous rappelez ici, il y a une vidéo où Haji a fait passer un monsieur qui se disait qu'il a fui, qu'il a quitté Conakry, qu'il avait été arrêté par le CNRD, qu'il a reçu à s'évader. Ils sont venus à Dakar. Ils ont pris contact avec Haji. Pour tous ceux qui savent, la vidéo est là-bas. Comme la page de Haji actuellement, ils ont enlevé ces vidéos. Deux gens sont rentrés en contact avec lui. Ça, je vous le dis. Hein. Et je dis aux bonnes personnes, toute personne qui peut vraiment se lever pour faire quelque chose. Sinon, notre ami, il est noyé, il est trempé dans des sales draps. Ce n'est plus l'affaire de KPC. Hein. Je dis à qui veut l'entendre. Ce n'est plus l'affaire de KPC. Si c'était pour diffamation, la justice sénégalaise, Interpol, c'est pourquoi hier j'étais fâché. Mais des vraies raisons, les vraies raisons, c'est ce que je vous dis là. Il y a des gens qui sont venus, ils ont piégé Haji. Il y a une affaire de escroquerie. Il y a une affaire de complicité qui est là, qui n'a rien à voir avec l'affaire de KPC, je vous dis. Il paraît que Haji même a fait des voyages le long des frontières. Il y a des comptes Orange Money où on parle des mouvements jusqu'à allant à 100 millions de francs CFA sur ces comptes-là. Je vous ai dit, ils sont venus pour piéger le type. C'est-à-dire, quand tu as affaire à un État, c'est ce que je vous ai dit. Moi, Damaro, j'ai trois vies quand tu es face à un pouvoir. Ils vont, comme mon colocataire, tout le monde a vu ici, ils ont fait sortir Damaro. Ça, c'est ce qu'eux, ils pouvaient faire contre moi. Loin de la vérité, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Soit on pouvait m'empoisonner, me créer des problèmes. Soit mettre la drogue dans mes affaires ou faire autre chose. Mais Dieu a fait que, pour moi là, on pouvait venir. C'est-à-dire, je sors, on dit viens, tu as tes anciens habits ici, viens chercher. On vient, on me filme. On met ça, on dit non, on a chassé Damaro. Pour eux, c'est l'humiliation qu'ils m'ont fait comme ça. Mais pour Haji, ils l'ont piégé. Ils se sont fait passer comme des bonnes personnes, comme ses amis. Ils l'ont mis dans certaines choses. Je lui ai dit de faire beaucoup attention à ces gens-là. Moi, vous savez combien de personnes, ont cherché, même la semaine passée, d'autres ont cherché à me voir vis-à-vis. J'ai dit jamais. Moi, Damaro, vous n'allez pas me voir. Vous voulez me voir, appel vidéo, vous pouvez le faire. Donc, ils ont créé d'autres problèmes. Si vous voyez qu'il y a affaire de Interpol, ça n'a rien. J'ai dit l'affaire de KPC, c'est zéro. Ce n'est même pas. C'est pas affaire de KPC. On parle du côté de Interpol. C'est des problèmes. C'est des transactions Orange Money. Ils ont créé d'autres problèmes à Haji. Complicité de quoi. C'est ce qu'ils ont cherché. Ils ont créé pour Haji. Mais rappelez-vous. Rappelez-vous quand j'ai eu les infos. Damaro, fais attention. Dis à Benito de faire attention. Dis à ton ami de Dakar de faire attention. Ils ont envoyé des gens. Ils vont vous créer des problèmes. Ils veulent vous créer des problèmes.
j'ai prévenu Hadji, je lui ai dit, tous ceux qui viennent là, qui rire avec toi, ce ne sont pas tes amis. C'est pourquoi, ça dit tout le monde, ça dit les gens sont étonnés. Est-ce que pour diffamation, oui, on peut extrader quelqu'un? C'est affaire d'argent, escroquerie, complicité. Et on parle sur ces comptes Orange Money. Il y a des transactions jusqu'à allant jusqu'à 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas des petites sommes, ça dit. Je ne sais pas si l'argent c'est pour Hadji ou si c'était pour quelqu'un d'autre ou si il a juste, on lui a envoyé l'argent pour donner à quelqu'un, mais ils ont utilisé tout ça là contre lui. C'est grave, hein? C'est pourquoi je dis aux bonnes personnes de se lever. S'il y a un crime, que ça soit au Sénégal, mais si on l'extrade en Guinée, est-ce que 100 millions de francs CFA, c'est quoi pour l'État guinéen? Les services de renseignement, quand ils veulent piéger quelqu'un, quand ils veulent noyer quelqu'un, ils sont prêts à tout. Ce que nous, bon, vous avez vu, à cause des, on dit à cause des blogueurs, à cause des journalistes, l'État perdait plus de 1 million de dollars par jour. Est-ce que 100 millions, c'est quoi? Ils ont coupé l'Internet pour combien de jours? Quoi, parce qu'on parle. Voici comment ils ont piégé Hadji. Voici pourquoi tout le monde est étonné. Pourquoi l'affaire là, ça devient encore compliqué? Je vous dis, ce n'est pas l'affaire de KPC. Les faux amis de Hadji, ceux qui venaient dans le direct de Hadji, ceux qui faisaient, le monsieur qui est venu faire des témoignages, je vous ai dit, c'est un élément des services de renseignement de Bala. Moi, quand j'ai été informé, j'ai fait la vidéo. Mais en ce moment, vous savez, j'avais prévenu Hadji déjà de ne pas se mêler de la vie privée des gens, mais il n'avait pas compris. Voici pourquoi il est dans les mains de Interpol. On parle, ils ont des preuves contre lui, des transactions. Des transactions d'argent. Des transactions d'argent. Pourtant, j'avais prévenu Hadji. Je lui avais prévenu, mon gars, éloigne-toi de ces gens-là. Tu es un appât pour eux. Éloigne-toi. On a tapé à toutes les bonnes portes. Vous ne pouvez pas imaginer où on a tapé. C'est maintenant que les vérités commencent à sortir. C'est maintenant. Vous savez, le Sénégal est un pays de droit. Parce qu'ils savent que, eux-mêmes, ils savent que l'affaire de KPC, ça c'était seulement du bruit. Ils ont profité de la situation seulement. Ils ont juste profité de la situation. Oumar Ougandair qui dit que l'Interpol, il faut suivre ce qu'on est en train de dire. J'ai prévenu ici. Il y a des gens qui ont été au Sénégal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme deal avec Hadji. Ils l'ont pris. Dans ses téléphones, on parle des transactions jusqu'à 100 millions de francs CFA. Des transactions. Maintenant, ce n'est pas l'affaire de KPC. Hein. On dit escroquerie, je ne sais pas, association de quoi. C'est ce qui est contre lui du côté de Interpol. L'affaire de KPC, c'était, on dit, diffamation. Ça, l'affaire là, je vous dis, le dossier là est clos. Vous avez écouté l'avocat de Hadji. Maintenant, le gros problème qui est derrière lui, complicité, association des malfaiteurs, des transactions jusqu'à en allant jusqu'à 100 millions sur ses comptes Orange Money. Voici les problèmes qui sont là. Il y a des transactions des grands hommes d'affaires, c'est-à-dire des grandes personnalités du régime CNRD. Il y a tout ça. Ça, je vous dis. Hein. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On prie Allah subhanahu wa ta'ala
que les bonnes personnes. Et moi, c'est pourquoi je dis, si Hadji doit être condamné, s'il y a un problème, que ça se passe du côté de Dakar. Parce que le CNRD est prêt à tout. Même moi qui vous parle aujourd'hui, là. Moi qui vous parle. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, moi, quand des gens m'appellent ici, « Ah, Damaro, on va faire ça », je ris parce que c'est ça. Un, d'abord, on se connaît. Vous savez combien de personnes. C'est pourquoi les gens même ont peur de m'associer. Je sais que cet argent-là, ce n'était pas pour Hadji. Mais ils vont l'impliquer dedans. Quelqu'un va se faire passer pour quelqu'un de bien pour dire, « Ah, je veux, il y a ça, il y a ça. » Ils vont faire passer juste l'argent sur son compte. Après, on lui crée des problèmes. Ils vont... Je sais que si Hadji avait tout ce montant-là, il n'allait même pas rester là-bas. Mais ils sont prêts à tout pour le salir. C'est pourquoi je vais demander à mon ami de s'éloigner de ces gens-là. Wallah, je savais. Et il y a des bonnes personnes qui m'avaient déjà alerté. Averti Benito, Damaro, fais beaucoup attention. Tous ceux qui viennent aux États-Unis, qui t'appellent, qui veulent te voir, refusent. Tous ceux qui veulent collaborer avec toi, refusent. Ils vont te nuire, ils vont te chercher des problèmes. Tout est monté depuis qu'on a crié. Je vous ai parlé du cas du monsieur qui allait se flanquer dans son life là-bas, que lui, il était en prison là-bas. Non, Karim, c'est ce qu'il doit justifier maintenant. L'argent est allé où? Qui a donné l'argent? Je crois que son avocat va sortir encore. L'avocat va parler de ça. L'avocat va tout. Peut-être, c'était le cas de KPC qui était là. Je vous ai dit, ce n'est plus l'affaire de KPC maintenant. Maintenant, vous allez entendre les jours à venir les nouvelles versions de son avocat. Peut-être que ça ne faisait pas partie de problème. C'est ce que je vous donne maintenant là.